Bonjour, Olivier Berthet, créateur des coulisses du chef. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit pâté créole. C'est une recette pour 4 personnes. On va prendre 2 gousses d'ail, une échalote. On va jouer sur les piments, piment d'espelette, piment oiseau, piment rouge antillais, du cerfeuil, de la ciboulette, 200 g de viande de bœuf. Il nous faudra juste 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un œuf et la pâte feuilletée. Et un peu de farine. Plaque à pâtisserie recouverte de papier de cuisson, un rouleau à pâtisserie, un emporte-pièce, une spatule métallique, un wok, ça peut être une cocotte, avec une cuillère en bois. L'ail, on va la ciseler. Donc ciseler l'échalote aussi. Alors on met 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans le wok. Et pendant que ça chauffe, on va préparer nos piments. Donc là, on retire toutes les graines, les piments. Piment oiseau. Donc il faut retirer les graines. Donc on va incorporer l'ail, les échalotes. On va mettre les piments. On va hacher le persil. On va mettre du piment d'Espelette. On va mettre le persil. On va hacher la ciboulette. On l'incorpore. La viande, on va la détendre. On incorpore la viande hachée. On va incorporer du sel fin. Voilà, donc je vais incorporer la viande dans un autre récipient. L'avantage, on arrête la cuisson et puis on va refroidir aussi la température de la viande parce que dans le feuilletage, il faut que le produit qu'on met dans la pâte feuilletée soit à température ambiante. On étale la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Hein, le terme, c'est ABC. Donc là, on va prendre un porte-pièce. Voilà, on positionne. Donc notre viande à température ambiante, on va le mettre au centre, dessus. On va les cuire pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Au bout de 25 minutes, donc nos feuilletés créoles sont parfaits. Maintenant, vous voyez que cette recette est très facile pour réaliser ce petit pâté créole.